C'est ça, mais avant, il faut que je teste quelques bricoles, puisqu'il y a un petit changement. Aujourd'hui, on n'est pas sur Twitch. On est sur YouTube et sur Kick. Voilà, je peux pas streamer sur 3, je peux streamer que sur 2 pour l'instant. Donc ici, c'est bon. Donc ici, c'est bon, je coupe le son. Voilà, j'ai mis la vidéo sur le jeu Game Boy qui sort au McDo. Et on va se détendre un petit peu, écouter mon live de ce soir. Sur de l'arcade. Voilà, on va aller un peu sur le Sega Model 3. Je vous garantis pas que tout marchera, c'est un vieux Quenops. Ah, femme novice. On va voir ce que ça nous. Oh bah dis donc, j'ai déjà mal démarré. Ah là là. En plus, c'est vrai qu'il y a des pubs Pepsi ici. Un peu trop rapide. Coucou, Polo di Polo. Le problème des jeux de course sur Quenops, c'est que le volant est mal émulé en fait. Il est trop sensible. Donc je pense que je mettrai ouais, plutôt des jeux d'arcade classiques. Vous me direz si le son est trop fort pour vous. Là clairement c'est trop sensible. Voilà. C'est trop sensible le stick. Coucou une homme. On va aller voir le jeu de l'ambulance, il est mieux. J'arrive pas à comment on fait déjà. Comment on quitte le jeu? Comme ça. Voilà. Faut que je règle le 101, non pas le Star Wars. Alors, faut que je regarde si ça marche là-bas. Ah là ça marche, voilà. C'est parfait, écoutez, ça marche dans ce sens. On va essayer le Skid Race, mais bon voilà. Je vous promets rien. Faut que je regarde pour les réglages. Vous allez bien, pas trop chaud? Ici il doit faire au moins 30 degrés, dit. Ce jeu est pour tout âge, c'est parfait. Ouais. On va voir ce que ça donne. C'est le problème, c'est très sensible. Ah et nous, ça disait il y a de la pluie, mais je l'ai pas vu aujourd'hui. On a eu un peu hier matin, écoute. J'ai l'impression que la voiture tourne, non? Ah non, c'est parce que je suis automatique. 1, 2, 1. Go! Oulala! C'est très sensible. Hein. Ah non, nous on a un beau soleil, écoute. Mais autant dans 2 heures, il y aura de l'orage. En ce moment, c'est ça le temps, quoi. Tu pars, il fait beau. Tu reviens, il pleut. La dernière fois, je suis parti avec le parapluie, je suis revenu, il y avait un beau soleil. Oula. J'ai un peu trop dérapé. Hein. Allez, on va les pousser. Là, sur le côté, il y avait les pits. Aujourd'hui, allez au stop. Mercredi. Coucou Spiro! Ah GG Spiro! Attends, il roule encore pire que moi! Non mais ma voiture! C'est mon Quenops Next 2 Spiro, tiens je l'ai mis sur le i5. Oulala là 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 là
Vite! Vite, 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 vite! T'as vu Spyro, il y a le jeu McDo qui est sorti là aux États-Unis. Ah mais... Ah il est trop sensible le stick. Hein. J'ai pas fait attention s'ils étaient sur le bar top de Flex Arcade. Ah j'aurais pas le temps à la fin de time-up. Barrez-vous! Je vais vous montrer mes talents avec l'ambulance. Ah, il est trop sensible le stick. Il est trop sensible. Ce qui est chiant, c'est que je joue sur mon PC, et il m'active l'autre écran des fois. Après, on y avoir des jeux d'arcade plus classiques, hein, mais... Celui-là, j'arrive à faire le premier niveau, mais pas le deuxième. Le deuxième niveau, à chaque fois, je suis à court. Comment on les règle, les cheats pour régler les deep switch sur un jeu d'arcade, sur Coin Ops, tu sais pas? T'as vu, Spyro, je diffuse sur Kick aussi aujourd'hui. Je diffuse ici aussi aujourd'hui, et pas sur Twitch. En automatique. Voilà, on va sauver le jeune. Ah! Help me! Mon père connu comme Alex Express. Brave toutou. Allez, on va l'amener à l'hôpital, le gamin. Alors, faut changer la vue, par contre. Voilà. Ça, on dirait GTA. Le premier niveau, j'y arrive en temps normal. Hein. Et c'est passé, c'est secours. Attention à la police. Barrez-vous, je vais couper la route. Ah non! Mais rentrez dedans! Ah, je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps. Il va mourir le gamin. Après, il faut le connaître par cœur ce jeu. Mais j'aurais pas le temps là. Je me suis loupé au départ. Elle a perdu conscience. Il va mourir. Hop là, l'ambiance est partie dans l'eau. Ça va être trop court. Il y a encore un camion qui va se planter là. On va retenter. Un arcade, il devait être bien ce jeu, je pense. Mais il est dur. Hein. Il est mort, on va recommencer. Je me suis planté au premier virage. C'est un jeu qui devait bouffer les pièces. Allez, on le sauve cette fois-ci. Bon, on va accélérer, hein. Je me suis loupé au premier virage. C'est une mauvaise langue. On va le sauver. En même temps, je suis payé pour conduire et pas pour les ramener en vie, quoi. C'est vous. Donc on coupe pas. Hein. Ah voilà, regarde qui m'est rentré dedans. Fibrillation. C'est New York aussi, hein, écoute. C'est vous. Hop là, j'ai écrasé trois piétons.
Là, t'es parti dans l'eau. Oula! Allez, 24 secondes, on y croit. Encore un accident. C'est bon, vite. L'hôpital est en face. 9 secondes. Marie, ne meurs pas, petit. Arrived. Mais l'autre niveau, j'arrive pas à le passer. Après, on ira voir le... Mais je trouve ce qu'il y avait sur N64. Ah, il y a une fusillade dans le parking. Voilà, attends, il tire la roquette. Allez, monte, petit. Il faut sauver Edward. Tourne à gauche. Ce niveau il est dur parce que t'as des voitures qui vont te foncer dessus après. Tu vois, il y a la poursuite avec la police. Là, il faut sauter sur le pont. Regardez, le petit il est stable. Hop, ah, ça il est toujours stable. C'est vous. Allez, faire gaffe. Aïe. Ah, j'imagine dans une salle d'arcade avec les gens derrière toi, là, tu sais. Ils doivent regarder si tu vas te planter ou pas. Mais tu sais pas, il faut aller. Allez, on tourne de ce côté. Voilà, il met en train de toi. Il va mourir, le gamin. Comment tu veux faire? Il est infernal, ce jeu. J'étais presque, on va retenter. J'étais presque. Ah mais attends, on part du début. Ah non, mais j'ai pas recommencé du début, moi, eh oh. Non, j'ai pas recommencé du début. Il y a Star Wars, mais il marche pas. Tiens, on va faire celui-là, et après on ira avoir des jeux plus classiques. Ah, j'ai oublié de mettre de la pièce, Pyro. On va faire de la Harley Davidson. Ah ouais, c'est le but de l'arnaque. Mais normalement tu peux régler, enfin sur Battle Serra, tu peux régler les... la difficulté. Tam 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 tam. Oh putain, on dirait moi lui, tiens, je prends lui. On dirait moi mais en chevelu. Automatique. Ouais, attendez, le son est fort là. Je ne connais plus personne, hein, les Davidson. Brum 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 brum. Faut que je récupère derrière Davidson là, tu vois. Oula. Y'a pas un frein à main. Ah c'est qu'il y a un frein à main. Je viens de me trouver. Bang. Tu m'étonnes qu'ils conduisent tous comme des fous. T'as vu ces jeux? Il y a toujours un truc qui m'écrit, moi, pour tester des machines à chenilles, là. Et ça m'intéresse pas de tester des trucs à chenilles. Ah, il faut aller là-bas. Je vais où, maintenant? Ah, je vais aller au magasin, les Davidson. Puis les flèches, petit. Non, c'est Fun Machin qui m'a écrit pour les Lego, là. Ils vont étudier. Ah. Et là-bas la boutique. Ah, ici le magasin, vite, 12 secondes. La Beverly Hills. Ici, ici, vite, 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 vite. Oh, j'ai réussi. Coucou Dexter.
J'aimerais bien avoir un mode graveur laser, Spyro, c'est tu. Tu as dit qu'il allait me casser les pieds à moi. Et roule toi. Ah bah dis donc. Ah voilà, c'est ici la vue. Voilà, c'est trop près ça. Celui-là il est moins dur que le jeu d'ambulance. Coucou Wilfried. Faut que j'arrive à émuler le jeu, tu sais, du livreur de pizza là. Hop là. Ouais, attention à la Pontiac. Ouais, attention aux arbres. Faut qu'il y ait là-bas. Il y a là-bas le magasin d'Arvidson. En fait, le but du jeu c'est d'aller d'une boutique à l'autre. Ah, mais je roule du mauvais côté de la route. Faut pas faire une roue arrière. Allez, il faut aller là-bas. Ouais, j'ai dépoussiéré mon Coin of Troy il y a longtemps que je l'avais pas utilisé. Ah, vous savez que je préfère Bateau Serra, mais bon. Allez, il faut aller là-bas. Sur la plage. Tout ça, Mayek. 4 secondes. Yeah. 50 000 points. Hollywood. Je me suis mis à la moto pour changer un peu du camion. Ah, attends, mais ça repart de suite. T'as pas le temps de te reposer. Coucou, Goldogini en vol. On va prendre la passerelle là. Allez. Pourquoi il veut que je tourne à droite alors que c'est à gauche le magasin? Allez, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai pris ça, ça donne des points ça. J'aimerais bien m'y faire une roue arrière. Je vais mettre Sarah derrière là. Alex-express@orange.fr. Spiro, bah, c'est gentil Spiro. Oh putain, attends, je vais manger un arbre. Il y a l'hélico là-haut. Je vais couper. Ouais, c'est des points ça. Putain. C'est vous. Pourquoi vous allez dans le mauvais sens tous? Je vais jamais arriver à temps moi. Ah, je t'avoue, j'aimerais bien tester la gravure. Gravée sur du métal. Ou du bois. Ça va être trop court. Aïe, on va dis donc. Ouais, un jeu Game Boy, alors pas un vrai jeu, tu peux y jouer en émulation. Ou sur internet. Ils ont sorti ça aux États-Unis. Tiens, attends, je te l'écris. Jérôme, tu la connais. Ouais, là c'est Fun Machin qui m'a écrit pour les briques, qui a étudié le dossier. Bon, attends, on va essayer avec le mec de base, peut-être qu'il est plus rapide. Je peux pas mettre la pause dans les jeux d'arcade. Bon, c'est un Hunter joli, mais il faut jouer avec la souris. Pour le tir. Ah, je suis mieux, je suis en cuir là. Voilà. Ouais, donc le but c'est d'aller aux boutiques Harley Davidson. On va y aller par là. Ouh, vous avez vu un peu ce dérapage. Je prends où? Je prends la passerelle, je monte. Il me l'a pas dit qu'il fallait monter. Non, c'est bon. Tout droit. Ah ouais, après-midi cuir. Et là-bas le magasin. Je prends la highway à contresens. Putain. Bon, par contre, comment je vais aller au parc à l'état Vidson? Tut tut. Aïe. Et il y a le checkpoint. Allez, faut que j'y joue maintenant. Beverly Hills. J'y vais. J'arrive pas à voir s'il faut tourner ou s'il faut... Je sais pas si c'est par là.
Oui, tu as pris l'autoroute. Et pousse-toi. Ah ouais, ça de côté. Ah, pousse-toi. Ouais, Crazy Taxi à moto. Ah, ça y est, je vois la boutique. C'est à droite. Je vais pas pouvoir y aller à droite. Voilà, par là, c'est bon. C'est la bonne route. C'est la bonne route, mais c'est pas le bon sens. Bah, disons, si j'y arrive à la boutique, c'est que j'ai de la chance. Hein. Tout droit. Ça me fait penser à Wheeler, jeu de camion, mais tu gagnes du temps dans le jeu de camion. Là, en fait, c'est que des points. Bon, il y a un peu de clipping. Hein. Ah! Ah, je vais pas y arriver. Ouais, franchement. Non, le jeu, je l'ai, mais je sais pas si je pouvais jouer avec la souris. Elle est où la souris, elle est là. Je vais essayer. Game over. Game over. Je te garantis, il y a un goldo. Parce que normalement, je crois que c'est la souris qui fait le... qui remplace le pistolet. Moi, je suis content, il marche Eurostream sur Kick. Il marche que dans un sens. Allez, il faut que je remonte le son. Attendez, parce que j'ai deux souris sous la main. Voilà. Ça, je sais pas, je regarderai. Moi, je suis pas très jeu de course. Hein. Alors, est-ce que je peux jouer avec la souris? Je vais te dire. Est-ce qu'ils ont simulé la souris pour le pistolet? Je crois qu'il fait 30 degrés là, écoute, chez moi. Ouais. 29,9. Bon, ça va, les nuits sont fraîches. C'est l'essentiel. Ah, start. Oui, ça. C'est ça, en fait. C'est la souris qui fait le... le pistolet. Alors là, j'aurais de la... Ça va, vous, le son il est pas trop bas parce que moi il est un peu bas. Help me, help me! J'arrive. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le courant. Il est mort. Ah, il est mort. T'as un jeu aussi où c'est un chariot. Parce qu'en fait, tu vois, il faut que t'anticipes. Là, il va se placer le truc. C'est pour ça que t'as 3 mires. Ça, c'est la murène. Là, j'ai touché. Surtout que j'ai deux PC en marche, là, hors champ. Il y a le PC avec lequel je travaille. L'i7, et puis t'as l'i5 qui fait tourner Quenops. Ah ouais? Ah bah là il est mort avant le mec hein. Merde. Mais ça va, apparemment j'ai des balles illimitées. Oula! Ouh! Pas rappelé quelqu'un lui. Je sais pas si on peut éclater des trucs bonus. Là, c'est ce qui manque, tu vois, un vrai pistolet. Bah bien sûr je continue, attends, j'ai mis les crédits. J'ai vidé le porte-monnaie dans la machine.
Ah oui, regarde, il y a un trésor. Ouais, c'est le trou dans la porte, faut pas regarder le trou. Oula, c'est un boss. C'est Rocco Siffredi. Il faut viser dans la bouche en fait. Ça fait bizarre dit comme ça, je sais. Coucou Bruce. Moi après je suis pas très jeu de tir parce que tu fais pas grand chose en fait, tu vois, tu attends juste pour tirer. Y'a le Dead or Alive sur le modèle 2 d'ailleurs. Appelle Dead or Alive. Ah putain, tu vois, je suis déjà mort. C'est bon les anguilles. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est le boss. Kraken. Le Kraken. Oh putain. Est-ce qu'il faut que je vise l'œil? Non, pour l'instant c'est les tentacules. Yamete! Yamete Kudasai! Ah, Damaged. Attends, il est à peine mort. Enfin, il est à peine là. Ah, je vais te shooter dessus. Il faut tirer les yeux, je pense. Regardez sa barre de vie en haut. Mais dans une salle d'arcade, ça va être fun, je pense, avec ton flingue sur l'écran. Je tire où? Ah, dans l'œil. Ça. Oui, il y a un coup dans la pierre, merci. En plus, la souris est moins rapide que... J'ai tué. Ah ouais, j'essaie, mais la souris est moins rapide. Spiro. Ouais, en salle d'arcade, ça va être fun avec les gros pistolets. Là, je t'avoue que j'ai la main coincée dans le... Enfin, sous le bureau. Sur une petite souris. Avec la souris de l'autre ordinateur. Bah, c'est vrai qu'il tourne bien, hein, le Conops. Il fait 200 gigas, le mien. Il faut que je récupère encore les packs de consoles, mais le problème de Conops Next 2, c'est qu'il est tellement vieux que tu trouves plus certains torrents. Pam 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 pam. Les requins marteaux. Tout. Oh. Ah merde, j'ai failli pas le tuer. Je continue. J'ai tiré le coffre. J'ai tué mon pote. Quand j'étais gamin, les dents de la mer, ça m'a fait peur. Surtout quand on allait à la plage au Mourion, à Toulon. Et je pense qu'il faut que je shoote les coffres. Voilà. Il y a des trucs dans le coffre. Et il faut aussi tirer sur la murène. Oh, mes sous. Les sardines? Ah, mais état, je suis encore mort. Je m'attends un crédit. Il y a le mérou aussi dans la Méditerranée, le mérouston et le méroupette. Oui, il est pas mort. Voilà, le bon côté, voilà, c'est comme petit jeu d'arcade, ça défoule, t'es pas obligé de faire un jeu en entier. Oh, les ruines du temple pharaonique. Ah, putain, ils sont rapides, hein, les requins. Alors il faut pas le tuer, il faut tuer le requin. J'amènerai Sarah se baigner ici.
Ah tiens, il est vivant, regarde. Ah non! Touche pas mon pote, toi! Attends, mais il croyait que j'ai que ça à faire de le défendre? Il y a des rires. Oh, regarde, il m'a donné un truc. Par contre, le décor est très beau, hein. Ah oui, il y a des rires. Voilà, il faut ouvrir les coffres. Même les raies, c'est dangereux, dit. L'âme d'Atlantide. Il est où le cétacé? Elle est pas encore morte, elle, Wilfried? Ça va, en fait, t'as pas trop chaud à Marseille? Ouais, Sega Model 3, j'aime bien. Il a tout cassé, lui. Il casse pas les ruines. C'est antique. Je vais te bourrer. Ouvre la bouche. Ah. Ah. Comment ça, Damage Head? Attends, Je tire à fond. Nous, il y a un petit peu de vent qui se lève, là. Ça va être très grave, c'est du vent. Tu vois, ce qui compte, moi, c'est que la nuit, il fasse frais pour bien dormir, quoi. La journée... Ah oui, je continue. La journée, c'est pas grave, hein, il fait chaud. Cherche un magasin climatisé, voilà. Tu peux pas le shooter, quoi, tu te fais... Attends, je vais mettre un crédit. Ou alors, il faut que j'y fasse les dents d'en haut. Bah, je veux dire dans les dents. Merde, attends, je suis déjà mort, mais c'est moi. Je fais tant de regarder le chat. Je tire dans les dents, ou alors faut tirer au fond de la bouche. Il va jamais mourir, hein. Vive les crédits infinis. De toute façon, c'est clairement fait pour que tu dépenses des sous, ouais. Ouais, il m'a encore damagé, là. Il a peine à mi-vie. Coucou, Julien, comment tu vas? Il y a eu du monde dimanche, Julien? Parce que la conférence était pas mal, j'ai vu la rediffusion. Il est où, le monstre? Il est là! Ah voilà, il faut tirer là. Ah ouais, mais je continue bien sûr. Oh, attends, j'ai plus qu'un crédit, j'en remets un. Ah, il faut tirer au fond de la gorge, Spiro. Ah là, il faut tirer au fond de la gorge. Là, j'en remets un crédit. Shoot, shoot, shoot! Bah, c'est bon, j'ai shooté, ça y est, il est mort. On va encore faire un niveau, après on changera de jeu. Ouais, j'imagine. Surtout après, si tu remontais sur Paris. Ah non, Model 3, t'as des bons jeux. Un poisson en poule? Travail chez EDF? On a des crédits. Un peu le son, parce que chez moi le son est bas. Oh merde! Merde, j'ai tué! Faut pas que je travaille dans les sauveteurs, hein. Ah, il est mort. Oh, c'est un poulpe! C'est joli. Bon, il est un peu mauve, hein. Ah ouais, mais j'ai pas attendu, moi, je vois, je tire. Hein. Je vais poser des questions après. Je vais tirer dans le poulpe, dans le tentacule.
Elle est jolie. C'est chaud. Faut vraiment tirer sur le bout du tentacule. Voilà. Ah oui, ça a bougé, Spyro. Après, tu vois, le problème, c'est que le temps que la souris monte au bout de notre écran, elle est pas assez rapide. Je vais peut-être changer la vitesse. Oh là, là, elle est trop rapide. Ah, c'est pas évident, hein. Et ouais, tu vois, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide pour la souris. Elle est presque morte. Heureusement que j'ai les crédits infinis, parce que sinon j'aurais déjà mis 100 euros. Je crois que sur le modèle 2, j'ai le jeu de combat avec Sonic. Regarde. Ah, je crois que c'était un coffre. Ah, si, c'est ça, c'était un coffre. Mais laisse-moi tirer! J'ai pas le temps de tirer. Une jument enceinte? Ah, mais FF16 c'est sur la PS5 hors champ, non? Je l'ai pas, voilà. Oh putain, encore un boss. Pas de PS5, quoi. Mais bon, ils partent un peu en brioche. Attends, ils nous ont montré la suite de FF7. Ils sont sur la FF16. Bon, après, je changerai de jeu après ce boss. Hein. C'était pour montrer à Goldo. Et sur Quenops, ouais. Sur Bateau Serré, il faut configurer. C'est un peu plus chiant. Ouais, on va changer de jeu parce que là, c'est la souris, c'est pas des plus pratiques. La souris, elle est là. Là, tu vas voir, je crois que j'ai le Sonic. Est-ce qu'il va marcher par contre? Sur le modèle 2, il me semble qu'il y a le Sonic Combat. Ah, là, j'ai la House of Dead, c'est pareil, mais. Ah non, j'ai pas la PS5. M'intéresse pas la PS5, honnêtement. Il est là, ouais. Vous l'avez jamais vu comme ça, Sonic. Je vais vous montrer le Sonic. Il est sur la Xbox, celui-là. Un Sonic que vous ne connaissez peut-être pas. Il a cru que c'était un sanglier. Tam 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 tam. Docteur Robotnik. C'est original, je l'avais acheté sur la Xbox pour 1€, je crois. Coucou Fred! Est-ce que ça marche si je mets une émote? Ah oui, ça marche! Voilà, tu vas voir. Il n'y a pas Blaise de 4, il l'a encore oublié. Après, c'est brouillon hein, celui-là de jeu. Ta-ta-ta-ta-tam. Oh. Bah, t'as un truc sur le bouclier.
Coup de poing, coup de pied et bouclier. Ça tue le shoot. Bientôt le DLC d'ailleurs. Perfect. Ouais, mais le premier est toujours facile, c'est après où ça se complique. Tu vois, on dirait qu'il attend. Viens te faire le bouclier. Hop, 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 hop. Après, ça devient plus dur. Il doit faire un jeu d'arcade, McDonald's. Ouais, Naomi, on ira voir après, j'ai Naomi 2. Oh, c'est Amy. Tu vois, là, elle se protège. Elle met son bouclier. Moi aussi, je passe de bouclier. Hop là. Coup de marteau. T'as vu d'ailleurs le sphinx? C'est Sonic. Sur la tête du sphinx. Sur la tête du sphinx, vous avez Sonic. Miami. Alors, j'ai failli faire voilà. Voilà. Sur Xbox, des fois, ils le mettent pas cher à 2-3 euros. Hein. Enfin, ça vaut pas un Sonic en 2D quand même. Pam 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 pam. Puis la reine elle est toute petite. Ah, ah non, mon Sonic. Faut y péter le bouclier, tu vois. Là je mets le bouclier, il peut rien faire. Il bouge plus. Il attend. Hop. Oh. Non, il n'y a pas de saut. Bah, je vais essayer vers le haut, mais je crois pas. Ah si, il y a le saut, t'as raison. Ah encore, ça marche pas toujours le saut. Tu me fais la tête, Spirou, avec tes conseils. M'a shooté. Ah oui, voilà, il voit plusieurs trucs. Non, moi je gagnais. Naomi, ouais, je l'ai. Ah non, attends, j'ai la Tommy's Wife, je suis pas sûr d'avoir la Naomi. Faut que je vérifie. Ah non, parce qu'il y a plein de roms que j'ai pas retrouvé. Hein. Ah si. Ah si, il y a des jeux. Ah non, mais attends, j'ai que 4 jeux sur Naomi, ouais. J'ai Crazy Taxi et les 2 Power Stone. Ah, j'ai pas. Tommy's Wife, j'aurai plus de jeux par contre. C'est dans le jeu. Ah non, Demi-Fish, si je connais, c'est pas terrible. Dans le Fame Blue, il est bien, mais il est long. Ah, il y a Ken, ou que c'est. Ah, qui le dit Gear, ouais. On va voir celui-là. Et oui, non, Naomi, j'ai que 4 jeux. C'est marrant parce qu'à chaque fois il me fait un retour sur le bureau. Aïe aïe aïe, on va se faire attraper, dis donc. Je sens une forêt. Waouh! Il m'a arraché les oreilles. The left, you are
Une fille. Avant que tu commences le jeu, dis. D'accord, ABC, c'est là. Ouais, il y a un nouveau code 9, j'essaye de télécharger le diamant, je crois qu'ils ont fait là. Après moi je préfère mettre ça pour les overlays et tout, c'est plus facile à régler je trouve. Mais bon. J'ai l'impression qu'il est lissé par contre le jeu. Ah, viens ici, mon muscle. J'ai aussi pas mal de shoot'em up. C'est sur le cave, je crois. Ah, tiens, elle a changé de perso. Regarde. Ça, j'en parle à la fille, non? Voilà, c'est qui lui? Celui-là, il est assez accessible, je trouve. Parce que j'y connais rien, je spam les boutons. Hop là. Oh mais dis donc. Il y a le Joker. Ah mais je préfère la fille, rends-moi la fille toi. Elle lui a envoyé un coup de yo-yo dans les loupignoles. On va aller voir un autre jeu qu'il y a dedans. Là, tu vois, Spyro, à chaque fois, il me fait un retour sur le bureau. Ah, oh, il y a des jeux de course aussi. Ah, oh, mais t'as le seul qu'on connaît. Ah, Neo Geo Battle Coliseum. Tiens, on va aller voir celui-là. T'as y'a quoi après? Ouais, ça c'est un jeu de tir. Ah, des Rumblefish aussi quand même. Ah non, pas un jeu de pêche. Tsushima. Ah merde. Ça c'est les favoris. Ce qui est chiant, c'est que t'as aucun jeu qui a le même niveau sonore. Ah. Bon, t'as des jeux qui bug, hein, ça arrive. Ah non, ça y est, c'est parti, il fait le temps qu'il charge. Comment jouer? Ouais, j'ai 4 boutons moi. Allez. Je prends toujours les teams de filles. Oula, il a un bug sur la fille que lui à droite. Il manque des parties de sprite. Ah, tu vois, il a un bug d'affichage. C'est quoi cette arme?
sais pourquoi il y a une fille sur le côté. Regardez, il y a un bout de fille, il manque le corps. Bon, celui-là, il a un petit souci d'affichage. Hein. Ah, après, t'as des trucs qui sont très vieux. Là, c'est... Ça, c'est très old school, vous voyez. J'ai dû apercevoir des jeux comme ça dans un bar quand j'allais au collège, en 6e. C'était il y a très longtemps. Bon, ça, c'est moins vieux, quand même. Ils sont où les shoots? Ils sont là. Ah, c'est Cave. Cave, c'est rempli de shoots et maps. Dead Smile, c'est très sympa. Tiens, on va faire celui-là parce que j'aime bien la fille en bas, là. Regardez, il y a un cochon. Hop, je suis à la place de la tête de la fille. Ah, il y a une erreur. Oh. Ah non. Attends. Now loading, now reading. C'est bon. Ah mais il est tout mal le surmain. Sur quelle machine il est Wilfried? Ah il se lance pas celui-là. Lui il se lance pas, on va essayer un autre. Bah Yagi Wanch qui est connu. On va faire Spaluga, tiens. S'il se lance. Après, ça dépend de vos machines. J'avais vu un tuto pour émuler l'Icaru de Sega sur... Bah toi, c'est RAM, mais sur mon PC, c'est RAM. Ah, ils ont des beaux shoot'em up, mais c'est dur. Hein. Alors, attends, je vais régler un peu le son. Ah ouais, on reprendrait là. Où sont-ils, elle ? On va prendre... Ah, sur le store ? Et sur le côté, on dirait Nier Automata, la fille là, en dessous de ma tête. Là, je remonte le son. Le truc, c'est que c'est des jeux où il y a tellement de tirs qu'après, tu sais plus où il faut tirer. Là, ça va, il rame pas trop pour l'instant. Si tu vois, c'est un truc de scoring, en fait, t'as plein de bonus, et t'as aussi plein de malus. Voilà, là déjà je me suis fait toucher. J'envoie des crédits. Explique-moi comment tu passes là-dedans. T'as tellement d'affichage entre les scores, les bonus, les boules ennemies. Bah je crois que si tu envoies des petits coups, comment tu vas éviter ça? Ça tire de partout. Bah, tu vois, je t'envoie des petites salves, les tirs sont guidés. Et si tu gardes appuyé le bouton, ça fait un tir continu. Voilà, c'est suivant le temps où tu appuies sur le bouton. Ah, ça, c'est un boost. Et tout! Ah, c'est chouette quand même. Oula, l'archange. Alors là. Faut être vif. Hein. Tu peux pas éviter ça.
C'est pas un super tir? Ah non, il y a un bouclier, je crois. Ah si, tu changes de tir, d'accord. Voilà, tu peux changer de tir, d'ailleurs. Ah tu vois, je vais concentrer les tirs. Oula. C'est très beau, en plus l'écran est réduit. Ah oui, je continue. Attends, je mets des crédits. Je vais prendre ma boule. Ah non, quand même, ils ont fait des bons shoot'em up, hein, mais... J'irais pas y jouer sur une bande avec des sous. Ah, je regarderai Wilfried. Laser Pitium. Attends, je vais copier. Laissez-moi, attendez, je copie le truc. Et Deathmatch aussi est très beau. Hein. Non, je suis désolé. Ah, comment tu vas éviter tout ça? Donne-moi le P, le power. Voilà, regarde-moi ses ennemis. T'as vu le flingue qu'il a? Je peux pas passer. J'ai essayé avant-hier de passer entre les gouttes, ça n'a pas marché. Putain. Et apparemment, tu peux changer d'arme en appuyant sur le bouton C, mais bon. N'étant pas un expert de ces jeux. En tout cas, ça mitraille dans tous les sens. Hein. Ouais, ça. Mais j'aime bien le graphisme des ennemis. C'est assez sympathique. Ah ouais, un boost, merci. Oula, j'ai eu peur. Ça fait penser un peu au Gundam qu'il y avait sur la PC Engine. Non, pas le Gundam, le Spriggan. Le Spriggan où tu allais de bas en haut. Ah, tu vois, je suis encore mort. Là, je peux changer de tir. Le truc, c'est comment savoir lequel est le plus puissant. Switcher. Là t'arrives encore à passer entre des boules, mais après après c'est comment tu veux faire, des boules partout. Je suis pas Terminator, hein. Putain, elle est là. Ouais, je crois que mes trois armes sont en haut, je vois qu'il y a trois trucs en dessous du zéro. Je passe entre les boules. Après, t'as le pourcentage. J'ai pas une note? Non, ça va. Ah, voilà. Voilà, faut que je trouve un mec qui s'y connaît sur ces jeux. Et tu vois, j'ai le tir vert, le tir bleu. Regarde-moi cette toile. La défense russe. Bah, moi je joue plus beaucoup à Euro Truck hors champ. C'est longtemps que j'ai pas joué en live. Ah, après, je pense qu'il a aussi ses trucs à faire, ses occupations au Canada.
En tant que j'ai pas fait de live, j'ai joué un petit peu mais en solo. Ah, je sais plus dans lequel c'est. T'avais une bestiole comme ça aussi qui venait au milieu de l'écran là. Un grand classique ça. La bestiole sur les deux rails. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a tellement de tirs, t'as pas le temps d'apprécier le décor, enfin le, la beauté du boss ennemi quoi. J'ai pas des crédits moi. Et là, il faut se concentrer sur les boules quoi, parce que. Ouais, je crois qu'il joue que sur American Truck de toute façon, Steve. Ça y est, pas mal un shoot. Les caves, ils s'en fait des beaux shoot them up. On va changer de shoot. Ah, il a un beau côté graphique. Bon, ceux-là sont plus classiques. Ah oui, mais t'as les tendons patchy aussi, tiens. Mon préféré chez eux, c'est celui-là. Je vais vous montrer un niveau, mais vous le connaissez. Coucou Smokey. Je pense que c'est un de mes shoot'em up préférés. Déjà, l'écran est plus large. Alors, on va voir s'il se lance. Le Dead Smiles. Quand tu vas, Smokey. Il est où mon thermomètre? 31 dehors et 29, 5 dedans. Bah, dis donc. C'est long, hein. Ah, mais il faudrait qu'il arrive à combien là-haut? Oulala! Vous serez poursuivi, vous irez en prison. Coucou Sébastien! Ah, celui-là, il est très chouette, hein. Déjà, les persos sont. On va prendre Rosa. On va profiter tant qu'il n'y a pas Madame de Cat. Donc tu peux tirer en avant, en arrière et la bombe, c'est ça. Avec son fouet. Pam 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 pam. Ah! Alors, laissez-moi trouver les bonnes touches. D'accord, j'ai trouvé. Le A est là, le B est là et le C est en haut. J'ai trouvé la super bombe. Tu vois, t'as un bouton pour tirer derrière et un bouton pour tirer devant. Ah, t'as les cochons, les voulu me faire cuire. Et là, le jeu commence tout doux, mais après, c'est moins doux. En plus, t'as une super musique. On l'entend pas trop, malheureusement. Il y a un petit côté Castlevania, je trouve. Voilà, et là, on va shooter ce qui vient par derrière. Ouh, t'es tout bleu, toi, on dirait, je trouve. Si, il fait pas mal chaud, là, mais pour l'instant, ça va. Les nuits sont fraîches, donc je récupère. Et là, c'est pour ça que j'évite de bouger. Tu vois, je sors à la fraîche demain matin à 8h20. Hop. Ah, j'ai plus un gros tir. Ah, on arrive au boss. La citrouille. Coup de musique. Oh 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 oh. C'est la mort. Aïe, je suis mort. J'ai envie des crédits. Hein.
Et hop, il arrive par derrière. Coquinou. J'ai envoyé la super bombe. Mais là, ouais, il commence à faire chaud de bonheur, quoi. Demain, je commence à m'acquiner, il dit 8h20. J'en préférais plus tard, mais bon. Tu vois, tu peux choisir la difficulté du niveau, à mettre niveau 1. Mais là, je t'avoue que je suis bien content, on a les bus en général, le tramway c'est climatisé. Mais je sens qu'au mois de juillet, on va cuire comme des saucissettes. Ah, les ennemis arrivent derrière. Alors, bien sûr, devant. On n'a pas le droit devant les ennemis. C'est des chèvres. Ah là, il faut passer le mur. Regarde, t'as les chefs qui... Troupeau qui contre-attaque, et il y en a devant et derrière. Ah, celui-là, il est quand même très beau, je trouve, le shoot. Ah, je sens aussi que cet été, là... Ah non, je me suis pris le mur. C'est pas grave, on remet les sous dans la machine. On va tuer les moutons là. Oh oh! Une sale tête lui. J'ai dû racheter une prise anti-moustique, il n'y a plus de recharge pour ma prise. J'ai dû acheter une prise d'une autre marque, c'est honteux. Ouais, il est pas content, il a réveillé lui. T'as envie d'une super bombe. Ah, qu'est-ce qui m'a touché? Ah, ça c'est un shoot de bois. Hein. Et le but c'est surtout faire du scoring. On va aller directement ici, tiens, au niveau 2. Ah, c'est pas le bon côté. J'ai mis le tir arrière. Ah bah, malheureusement, la chaleur, nous on a pas chaud. Après, je t'avoue que je préfère la chaleur à l'hiver. Hein. Alors, moi, j'ai pas la facture EDF qui monte, comme j'ai pas de clim. Putain, un petit train. Il y avait un shoot, c'est même, je sais plus lequel c'est, où ça se passait sur des trains aussi. Les chaînes de l'enfer. Oh merde. L'ennemi. Ah. Avec son lacet devant. Bah, disons que l'hiver, le problème, c'est la facture EDF. Attends, je passe de 60 euros à 200 quasiment. Tu sais, maintenant, je trouve la technique. Hein, je vais squatter au centre commercial Leclerc l'été. C'est climatisé. Ah, je vais être une méga bombe. C'est climatisé, il y a du passage. Voilà, on va aller voir des jeux un peu plus classiques. Oh, dis donc les coquines.
Mais ouais, non, ça c'est des jeux cave. Ouais, c'est du classique, on va dire. Capcom classique, c'est lesquels? Ah ouais, ouais, c'est les anciens, ça. Oulala. Ah, attends, il n'y a pas ma copine si elle est là. Je ne résiste pas à aller voir Felicia. Je sais pas ce que ça donne ma vidéo sur le jeu Game Boy McDo, je vais aller voir. Ah ouais, Munch, faut éviter les boîtes de McDo. C'est... C'est le réchauffement climatique. Oh. Un petit chaperon rouge. Regarde, j'ai déjà sifflé un litre d'eau en même pas une heure de live. Et j'ai que deux bouteilles, enfin j'achète deux autres bouteilles pour les... Pour l'été. Ah, Felicia. Turbo, ouais. Haha, Felicia contre Biletta. Oula, ouais, le turbo il est rapide. Hein. Allez, viens ici, petit chapeau rouge. Ah non, mais c'est Morrigan qui fait les pics avec la. Qu'elle rentre sa queue dans le sol. Pour l'instant, ça se défend pas trop l'autre. C'est bien en mode de joueur ou quoi là? Enfin, en mode contre ordinateur. Viens me battre. Oula, elle m'a enflammé. Un petit coup de queue. Ah, elle est pas dire difficile, ouais. Ah, dans le bâtiment, ouais, bon courage, dis. Je vais faire un cosplay comme ça, ma petite blesse de 4. Ouh. On va se battre contre Bi. L'abeille. Surnommée la butineuse. Hop là, un petit coup de queue dans les oreilles. La chatte contre l'abeille. D'ailleurs, je l'ai bourré. Elle a lâché son essaim. Coucou Rika, comment tu vas? Ah, j'ai ressorti mon vieux Coenops. Ah bah t'as un petit côté coquin, ça attire toujours les garçons. Elle a encore un combat, puis on changera de jeu. Ah, je t'avoue, cet après-midi, j'avais pas envie de faire de tests ou de trucs. Hop là. Et non, mais lui, il est un peu compliqué à faire. Enfin, tu vois, je préférais les jeux comme ça, moi, de combat. Avec un style mignon, comparé au nouveau Mortal Kombat ou au Street Fighter qui sort. Voilà, je préfère ce style un peu old school. Oh, mais non, il atteint tout le style de la télé. Voilà. Quand même. Et là, t'as pas de temps mort, hein. Oui. Ah,
Tu le tues, ça repart de suite. Coucou Fabienos. Allez, dès que je monte une petite chatte, tout le monde arrive. Bande de pervers. Miaou. Ah, celui-ci est bien. Ouais, après, t'as les classiques, alors là, les Street Fighter. Strider. Ah, Street Fighter, je pensais pas qu'il y en aurait autant à l'époque. Hein. Je t'avoue qu'il y avait le Street Fighter 2. Et le 2 Prime, 2 Prime Turbo, Alpha, Alpha machin. Bon, après, t'as le pourri, c'est le Street Fighter. Hein. Ah oui, je sais ce qu'on va aller voir. Comment il s'appelle déjà le jeu de course Et c'est où les old school run and gun? Non, les jeux de course, je vais voir RSR. Qui avait sur N64, je vous avais montré. Ah, Cruising USA. Vous allez voir la version arcade qui rame pas comme sur la version la console que j'avais là. La console chinoise. Ah, enfin je regarde Fabienos. Faudrait que je finisse le Ni no Kuni, j'ai l'autre jeu aussi qu'on avait fait, le Planet of Lana, là. Alors, enfin, je regarde, Fabienos, mais il faut mettre à jour la console. Bah, vous allez voir, là, il y a les filles sexy, alors qu'elles sont plus sur la console. Attends, il faut mettre 2 crédits pour continuer, sinon ils se lancent pas le truc. Alors, on va faire easy. Arizona. Alors, par contre, c'est chiant parce qu'il faut un boulon. On va prendre la sportive. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Enfin, je regarde. Tu vois, les filles sexy, elles, ils ont enlevé sur la N64. Ah, ouais, bah, on va prendre là les chocs. Hop là! Allez, on va essayer d'arriver au bout. Bah, l'impact des chocs est un peu bizarre dans ce jeu. Tu peux aussi couper les lampadaires si tu veux faire les lampadaires. Voilà, les poteaux. Ah, j'aurais adoré. Ah non, la Xbox, t'avoue, j'ai pas trop allumé en ce moment. En plus, ça chauffe beaucoup la Xbox. Ça fait déjà chaud chez moi. Voilà, j'en ai dégagé un. 8e. 7e, ça remonte. 6e, c'est bon. Oh merde! J'avais pas vu lui. Il y a un camion. C'est Steve avec son camion, il est au milieu de la route. Lui, je vous avais fait la vidéo sur la censure qu'il y a eu sur la version 64. Hop là, alors attends, faudrait que j'aille, je remonte un petit peu. Oula! Bon, c'est pas le plus palpitant des jeux, hein. Tutut! Dégage-toi! Ta voiture rouge! Putain, je suis 9ème! T'as pas un bouton pour accélérer là? Mais les filles avec les maillots, ça a été enlevé sur la. Ah, ça a peut-être été. Sur la N64. Ah, il faut quand même des crédits, quoi. Expert? Non, médium. Ah, c'est pas évident. Allez. Voilà, pas la chat. La dernière fois, j'ai joué, mais avec l'aide voiture. La deuxième voiture, elle était plus rapide, je trouve.
Regarde-moi ces chocs. Je sais pas si elle a outre un arcade. Hop là. Oh merde. Puis il y a un niveau où tu peux écraser des vaches. Tu regardes des voitures, enfin n'importe quoi. Allez hop, poussez-vous. Mais poussez-toi avec ta Testarossa. Ah non. Allez, casse-toi. Ah oui, tu peux changer la musique. Il sert à ça le bouton. Voilà, donc ici c'est la vue. Ah, c'est pas du Forza Horizon, hein. Hop là. Il y avait un paysan américain là. Safari Monster. Je vais shooter. Checkpoint. Tout à l'heure, il y a un camion de pompier. Allez, c'est bon, je remonte. Cinquième, quatrième. Troisième. Hop là, adieu le panneau. On appellera les deux quatrième. Il faut prendre une place. Il y a un niveau où tu peux écraser les vaches. Mais je sais plus lequel c'est. Puis à la fin, dans cette version arcade, quand tu gagnes, tu vois le président des États-Unis dans une piscine à bulles. Ce qu'ils ont enlevé, bien sûr, sur la N64. Mais non, mais attends, c'est quoi ça? Ils vont tous rattraper. Ah putain, la police. Cassez-vous. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il est pas très dur celui-là. Comparé au jeu d'ambiance que je fais au début, là, allez vite. Ah non, laisse-moi arriver. Dixième. New time. Ah. Encore des crédits. Ah non, c'est bon. Allez, deux. Ah, je crois que c'est là où il y a les vaches. Non, là, il y a où? Attends, je vais aller, aller. Bah putain, j'ai mis Washington. Je vais aller à Iowa voir s'il y avait des vaches, mais bon. Ce qui manque, c'est un klaxon, tu vois. Tiens, regarde. Ah bah, ils ont écrasé les pancartes. Ah, moi aussi, tiens. Hop là, adieu la pancarte. Dégage. Pousse-toi. Tiens, voilà, c'est bien fait. Hop là. Il manque juste des voitures sans permis sur le terrain. Allez, la police. Je sais pas si ça fait quelque chose si tu arrêtes de la police. Ah. Des graffitis sur les murs. Tut tut. Ouais, c'est assez large. Alors qu'à Outrun, t'as pas le temps d'arriver au checkpoint des fois. Oh merde. Je crois que c'était un tonneau. Il a shooté le camion. C'est quoi ça au milieu? Ah, c'est une voiture. Mais ça, en fait, c'est des voitures arrêtées au milieu de la route. On se demande ce qu'ils font au milieu, écoute. Hop là. Ah, Outrun, je l'aime bien, surtout c'est les musiques. Mais bon, à l'époque, voilà, tu pouvais conduire la Ferrari. Oh, regarde, il y a un panneau Nintendo dans le décor. Merde, j'allais prendre le raccourci. Dégage, la police. Ah, mais attends, je vais arriver combien? Je suis là, tu vois, même si t'arrives 7ème, c'est pas grave. Bon, on va essayer d'aller en Arizona. Le premier. Non, mais je vais pas la refaire celle-là. Ah bon, changer de jeu alors. La version arcade, ça c'est vieux. Ça me dit rien celui-là, tiens, on va regarder.
Attends, y'a quoi? Y'a Rangon Arcade? Coucou Rudy! Merci là. Tu vas bien Rudy? Oui, après tu peux régler les deep switch, pour ça il faut que je trouve comment on les règle. Pour faire plus ou moins compliqué. Oula. Voilà, tu vas le sang par contre sur les jeux, il est plus ou moins fort. Je sais pas si je l'ai Fabien là, ça on ira voir après dans les jeux classiques. Oh, il y a le choix de la voiture. Ah, je prends la Mercedes. Apparemment, c'est l'orage. Je sais pas où le freine. Oh, c'est un jeu classique comme on avait sur un Neo Geo. Oh là là. C'est juste le frein. Il est rapide. Qui c'est qui a fait des virages comme ça? Attends, je vais même pas avoir le temps d'arriver, je suis sûr. Pas arrivé. Oh, la voiture est en feu. Appelez les extincteurs. Hein? Ah oui, on continue. On a la Jaguar. C'est tout? Ouais, dis donc, je fais de la roue arrière. J'ai trouvé le frein. Regardez, je pète des flammes. Dans le premier requin. Ah oui, parce que je suis pas arrivé dans les temps, c'est pour ça qu'il m'a revenu ici. Ah ouais, bah j'essaye. Ah, vite. Je vais même pas mettre le record. Ouais. Ah ouais, c'est un peu de juste. Y'a pas la Outrun? Ah si, y'a la Outrun, attends, on va aller voir la Outrun après on ira voir dans les autres jeux. La Outrun d'arcade devrait. La pole position, c'est quoi? Ah non, c'est trop vieux ça. Je crois que ça j'ai connu. Il y a une Pepsi. J'ai dû connaître ça, Marlboro. Bon, Power Drift, c'est. C'est connu. Oh, Red Mobile avec le Sonic. T'as le Sonic sur le rétroviseur. Ah, t'as des jeux qui sont quand même assez rétro. Hein. Ah tiens, il y a Super Monaco GP, Goldogui. On va aller voir le Super Monaco GP. Ah si, on l'a passé le Sagradio, on ira le voir après si tu veux. Un shift automatique. Ah bah c'était la gâchette. C'était la gâchette. Oh, une pub pour Flicky. Il faut conduire souple. Faut conduire souple. Est-ce que je t'avoue qu'avec le clipping... Ah, vous allez voir le cigare Ali. Hein. Ah. Ils ont mis une pépée. On va aller voir, il y a le cigare Ali, Fabianas. J'ai vu juste avant là. Allez, cigare Ali. Ah, c'est vrai que j'ai plus à boire.
Bon, c'est pas tellement les jeux que je fais, moi, les jeux de course. À part le Forza, mais le Forza, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Et après, Outrun, ok. Je mets des crédits. Championship. Ouais, automatique. Il n'y a pas beaucoup de choix pour les voitures. Pour la Toyota Celica. Voilà, et là c'est la vie. Easy White, merci, il y a le copilote. Oh, c'est bon, ça patine. Hop là, on s'est sauté. Oups. Wow, wow, wow. Ça a dérapé. Cours, Elien. Qui c'est qui passe sa voiture en violet, quoi? À part Sarah. Oh, il y a la voiture Pepsi devant, regardez. La couleur Pepsi. Le rouge. Oh, une Subaru. Il y a des zèbres. Donc on n'est pas en Angleterre, hein, vu qu'il y a des zèbres. Hélicoptère comme dans Ridge Racer aussi. Écoute, j'ai fini la course. Ah ouais, ouais, il y a moins de clipping aussi que sur Saturne. Allez, on va faire une deuxième tour. On a quoi comme but? Là, t'as la rétro par contre. Ouais, c'est quoi? C'est un chose, c'est une R5. Non, c'est une Lancia ça. Devant. Ouais, ça va, il est assez souple à conduire, je trouve lui, tu vois. Au début du jeu, j'avais fait un jeu de la Sega Model 3, mais les commandes étaient trop précises, quoi. Ah, tu as bien la route, la voiture. Ah putain, ça a été juste checkpoint haut. Putain, j'avais que 2 secondes pour le passer. Dégage avec ta voiture jaune cocu, toi. Ah, elle est trop court là. C'est ça qui est horrible dans ces jeux, c'est que le temps est trop court, quoi. Ah, allez voir la Outrun, c'est pareil la Outrun. Et la manette vibre. Ah, Outrun était là, ouais. Mais voilà, le temps est trop court. Il faut que je baisse le son. Hein. Get ready. Boum boum. Alors c'est où le aïe et le bas? Ah mais non, c'est vitesse automatique, c'est vrai. Oula, c'est pixel quand même. Hein. C'est quand même très pixel. Allez, je regarde la route. Hein. Je regarde mes 2 yeux sur la route là. Le camion Sega. Dégage toi. Ah putain de paysan sur la route. Allez, on va aller à gauche. Ouais, t'as eu un trop court. Je vais même pas arriver au truc. Ah si. Oh, c'était juste un checkpoint. C'est ça qu'ils doivent nous refaire, c'est un outrun. Parce que le dernier, c'était quoi? C'était 2006. Merci. T'as plus le droit même de mettre de la Ferrari derrière.
faut enlever le logo Ferrari et tout là. Sur la Mini Megane F2, c'est plus la même voiture. Fallait pas être épileptique à l'époque. Tam 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 tam. Tadam. Tadam. Ah, pas nous. Ça va être trop court. Je vais jamais avoir le temps. C'est direct le game over quoi. Allez. J'ai pas été loin, j'étais presque. Et la fête à la musique toute zen. On va aller voir un peu des jeux d'arcade plus classiques. Ah bah non, Fight Club, c'est un jeu de combat. Beat'em up un peu, voilà. Ouais, Astérix, quoi, Avenger. Après, il y a beaucoup de jeux qu'on a déjà vu dans tous mes lives. Hein. Ah. Le combat trip. T'as le clan classique. Ah, coucou Thomas, je t'avais pas vu. Ouais, le 2006, il est bien de Outrun. Ouais, ça, c'est vieux. Ah, grand classique, on va pas le mettre, vous le connaissez. Bon, y'a pas de truc qu'on a pas déjà vu là. Tiens, on va aller voir celui-là, il a une drôle de tête. Le curé Kington. Oulala. Curé Kington. Ah, je suis désolé pour ceux qui sont sur Kick, mais le chat de YouTube n'est pas retransmis sur Kick. Ouais, parce qu'à l'époque, moi je passais plus de temps à regarder les gens qui jouaient à la fête foraine, surtout sur les bandes d'arcade. Qu'à jouer, Attends, déjà avoir 5 francs c'était un miracle. Ah, mais attends, le jeu a commencé, je crois que c'était l'intro. On a quoi, quoi? Saut et coup de pied, quoi. Deux touches. C'est la version économique, ça. Ah ouais, c'est ce que je faisais, je me mettais sur le côté d'une borne. Ah, j'ai joué à beaucoup de jeux, Fabien, soit. Puis t'as souvent les mêmes qui sont demandés, hein, c'est Cadillac un dinosaure. C'est quoi, c'est l'ascenseur? Il est cassé l'ascenseur. Ouais, c'est dur de trouver des jeux que je... Ah d'accord, il faut appuyer sur le bas. Il va tirer, non? Ah oui, oui, mais il va tirer. Ah merde, on monte. Ah ben. Oh, il y a Jackie Chan. Putain, c'est bientôt la fête de la musique, hein. Coucou Super Kebab. Fête de la musique et après le festival, quoi. Pendant un mois, ça va être infernal, le centre-ville. La musique est sympa, après je t'avoue que le jeu est un peu limité quand même. Avec la couleur verte derrière. Ah ouais, je regardais parce qu'attends. Je préférais m'acheter des bonbons que mettre les jeux dans la machine d'arcade, Fabianas. Surtout que j'étais pas le plus doué. Hein. Aïe. Mais c'est vrai que tu voyais ces belles machines d'arcade. Voilà, nous c'était le camion qui met la fête foraine, le semi-remorque. Oh, c'est le combat.
Je suis le méchant. Je suis Purple Chevalier. Souvent, t'avais une borne style Outrun ou une borne avec une moto. Ça, c'était classe quand même. C'était la grande classe quand t'avais la borne en forme de voiture. Ou tu sais, la demi-moto sur laquelle tu montes. Ah ouais, non, je préférais acheter des bonbons ou mettre des sous dans la machine à tirette. Hein? Je suis mort. Ah oui, on continue. Oh, regarde, il y a le vieux. Et il m'a ressuscité. Ah non, mais attends, tu repars du début? Ah non, c'est abusé. Ah non, c'est bon, on arrive au boss. Parce que le boss m'a laté. Tardam. Ah, par contre, t'as pas beaucoup de commission de coups vu que t'as que le coup de jambe. C'est bon, on va le laté. Ah, oh, aïe, t'as vu les bruitages, ils sont écrits. Non, puis en plus, t'avais le malheur de mettre une grande pièce dans une machine. Des fois, t'as un mec qui arrivait, il dit je peux faire une partie, puis après, tu touches plus à la machine. Ah, c'était même pas le boss de fin, c'était un boss de mi-niveau. Ninja, mais attends, je peux pas aller. Je peux partir dessus, moi. Ah, d'accord, tu peux tomber. Pourquoi je peux rien jeter, moi? Bon, c'était agréable de voir les autres jouer. Hein. En plus, tu pouvais te moquer d'eux s'ils perdaient vite. Tu pouvais leur faire, tu sais, comme quand tu regardes les lives des autres. Ah, tu t'es loupé. Bon, comme vous me faites des fois. Hein. Oui, ça pique. Ouais, tu peux te moquer d'eux. Je pense que c'est un shinobi, tiens. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas activé ce vieux Quinops. En plus, je sais pas si t'es arrivé, Fabien, j'étais toujours un pote quand tu es jeune qui a plus de sous que toi, quoi. Du coup, ça, t'as toujours un pote, tu sais, qui a plein de sous, il met les joues dans la machine et tout, là. Mais il te dira pas forcément qu'il avait fait une partie avec moi. Il te dit, attends, je vais faire une partie, une deuxième, une troisième, et hop. Je sais pas où j'ai posé mon téléphone, Sarah, mais t'as pas eu de message. Oula, pourquoi stopper, là. Dis donc, c'est... Les plateformes, c'est un peu rouge là, hein. Un peu le vert, le rouge. Sûrement un fan de la NES qui a fait ce jeu. Tant de belles couleurs vertes et rouges. T'as loupé ça, t'es là, il met des belles pépées. Coucou Youssef. Ah, c'était pas mal ça, Youssef. Moi, je t'avoue qu'à part aller laver la voiture de mon père pour avoir une pièce. Ça taille tous les jambes. Oula. Ah! Bon, changer de jeu. Il est mignon! Mais voilà, t'es un peu limité, t'as qu'un coup. Oui, c'était ça, Fabianos. C'était le stream avant les. Avant YouTube. Ah, le Moonwalker arcade qui est différent. Nice Clash, on l'a fait il y a pas longtemps. On va aller voir dans les Astias. Si, The Punisher, il est beaucoup plus joli que sur la Mega Drive. C'est leur moon, j'accroche. What? Les Simpsons? Tiens, on va aller voir les Simpsons. Est-ce qu'il n'y a pas Shinobi? Hein? Ah, t'as les Turtles quand même. Arc, vigilante. On va jeter un coup d'œil aux Simpsons, dis donc.
c'est marrant, l'écran est à l'envers là. Hein. J'espère que c'est normal. C'est à l'envers. Bon, je vous fais une rotation, mais je ne vais pas retourner mon écran de télé, moi. Ça. Ah, coucou Ah non, Jericho, je crois qu'il était là. Voilà, ouais, ça marche que dans un sens, ce truc. Bon, et ça, c'est... Dans les conventions, quand tu vas mettre des bandes d'arcade, des fois, c'est comme ça, ils allument, et le temps qu'elles se lancent, bah, ça ne marche pas, quoi. Ça arrive des fois. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir. Ah. Il n'y a pas... Tiens, on va essayer celui-là, 64ème rue. On dirait un Final Fight. Ah bah ça, c'est le problème de l'émulation. Hein. Ah, il me fait penser à Final Fight, ce jeu. Un nouveau client. Ma fille a été kidnappée. S'il vous plaît, sauvez-la. Bon, bien, ça va, on va aux États-Unis, on va se payer un McDo. Ok, bon, attends, c'est sur start, hein. Oh. On va prendre Alan. J'ai fait un coup de poing. Sérieux? Oh, la clamoulette. Ah, bon courage, Rika. Putain, mais il n'y a que le saut et le coup de poing. Oh, un gros tuyau. C'est mieux, un gros tuyau. Ah, ils ont cassé la voiture. On va pas être Street of Rage. Hein. J'avoue que pour ce genre de jeu, ils sont pas trop modernisés. Ah, j'ai pas, Sarah, j'ai que des jeux arcade là sur le Coin Ops. Je retrouve les ROM pour les consoles. Les packs que j'avais. J'ai mis le Sonic Arcade tout à l'heure. Coucou Roger. Splatoon hein, ce soir, Roger. Coucou Alf. Ouais, j'ai mis le Sonic Arcade modèle 2, tu sais où il se frite, comme il est sorti sur la Xbox. Viens ici, toi. Oh, chocolate. Tiens, regarde, il y a une souris dans la vitrine, Sarah, dans l'affiche. Du fromage à souris. C'est ça le fin niveau, c'est rapide. Viens ici, Bouchov. Hop là. Ah, tu veux un haut de mon gros tuyau. Je suis mort. Eh, hey, mais il y a un chat derrière. Qui a fait ce jeu? Voilà, où tu es avec ton chant, toi? Aïe! Ah, non, je le tue, je pense.
mets un crédit. Quand tu mets un crédit, ça fait le bruit du tiroir caisse. Mais avec une touche, c'est un peu chiant quand même. Allez, viens ici, gros. C'est celui qui se transforme en loup-garou ou elfe. J'ai jamais joué. Le Sonic Unleashed. Il a une belle veste rose comme mon héros. Ça va y rendre tout seul. Là, on dirait qu'ils ont copié Punisher. Le Punisher est dans un bus quand même au... Une pomme. Juste après. Ah, attends, y'a pas de pause. Je vais baisser le son. Voilà. Voilà, bon, après c'est l'habitude qui vient hein, pour jouer à Splatoon. On peut pas taper le chauffeur. Tu peux revenir en arrière, ça c'est pas mal. C'est le mari à Amy. Il tape fort lui. Hein. Faut le bourrer avant qu'il tape un coup de marteau. Ça vaut pas un Punisher. Hein. Il manque les grands classiques. Il manque plus que le métro. Là. Tu sais, on a le port, les quais, le dock. Il manque plus que le métro malfamé. Aïe, 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 ma tête. Ah ouais, changer de jeu. C'est pas le meilleur, hein, celui-là. Ah, après, il y a quoi? Old School, c'est quoi? Ouh, mais dis donc. C'est très très vieux, là. Ah, le level en arcade. Oui, il est joli, celui-là. Eh oui, il est mieux, Alf. Tu l'as pris sur quoi? Sur la Xbox? Ou sur le PC? Ah, c'est très très vieux, là. Ah non, c'est trop trop vieux. Ouais, putain, Coco Mongo. Ouais, Disc of Tron. Donkey Kong, t'es tous les Donkey Kong. Ouais. Ah, et ça, vous n'avez pas connu à l'époque? Sur Steam, ah. C'est vraiment un jeu qui m'a énervé à l'époque, c'est Frogger. Faut pas se faire écraser, faut arriver au bout. Je sais plus à quelle machine j'ai joué. Bah, déjà, je me suis fait écraser par la voiture. Pourquoi il est mort? Mais attends, mais c'est quoi cette collision? C'est Konami quand même, Frogger. Parce que les tortues, elles disparaissent, les garces. Oh, j'ai réussi. Ah, la hitbox, elle est horrible. Ah oui, mais attends, faut que j'aille de l'autre côté et mettre la grenouille.
Bah, ce qui est bien, c'est que tu pourras jouer en ligne. Ah, vite. Voilà, ouais, il faut les mettre en plus là-haut dans les bonnes cases. Qui c'est qui m'a touché? Mais remboursez-moi! Remboursez-moi! Un G.I. Joe de tir. Oh, ça, c'est trop vieux. Ouais. Là, c'est quoi? Ouais, je t'avoue, Fabienos, que les jeux. À force d'en faire. On va s'en aller vite tout à l'heure. Ouais, Mortal Kombat, allez, tiens, on va aller voir. C'est quoi quand tu mets un crédit? Parce que en plus j'ai mis Mortal Kombat sur miniature. Mais je connais pas les combos. Ah ouais, novice, c'est Blue Bite même. Blue Bite. Fight. Tu vois, moi c'était ça à l'époque dans Mortal Kombat, outre le côté gore, c'est parce que les persos étaient digitalisés quoi. Dans le Mortal Kombat qui sort, ça y est plus ça. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, t'avais le côté sanglant. Ah bah j'ai gagné. J'ai gagné. Mais c'était ça le truc, c'était les persos digitalisés. Dans le nouveau là, ils sont pas digitalisés. Ah tiens, le sang il va maintenant, c'est nouveau. Oh, oh, oh. D'accord, parce que lui il s'en vert. Il me fait une balayette à chaque fois. Bâtard. En plus, il a sans verre. Comment ils appellent ça, les iguanes, là? Un reptilien. Ah, c'est un reptilien. Ah, je peux pas le finir, je sais pas les faire, le finishing. Oui. Si vous y rendez, ça me fait toujours penser, moi, au film Running Man. Ouh. On dirait Bruce Lee, par contre, hein. Oula, oula. Ouh. Oula. Et l'autre derrière qui est en train de mourir dans les sables mouvants, quand même. Coucou Claude, Claudie. Moi j'aimais bien Raiden quand même, il avait la classe. Mais Raiden c'est pareil, ça me faisait penser à... Il fallait que John Carpenter. Ouais, c'est Queen Ops. Ah. J'ai perdu. Il est perdu. C'est un peu comme Bateau Serra, un peu plus compliqué. Seulement, c'est une vieille version, ça. Attends, c'est un Dreadnought Strike, je crois qu'il est ressorti récemment. Ah, ça, il faut spammer les touches. Ah, Toki. Ah,
Ah non, la tempête. Tiens, on peut aller voir le classique des tortues. Parce que je connais la version NES, mais je connais pas cette version. Ouais, c'est au début du live, on a fait du Sega Model 3. Le problème, c'est que les jeux de course, c'est trop sensible. J'en ai un sur une Xbox, là. Moi, je m'en sers rarement. Ouais, on va éviter le copyright. Michelangelo! Au feu! Ouais, on a fait un peu du... du deuxième aussi. Ah, j'ai pas l'Amiga là-dessus. Pour l'instant, j'ai récupéré que les ROM arcade et quelques ROM GameCube. Oui, oui, attends. Ah, attends, mais il y a la boule qui descend l'escalier, je le sais. Attends d'ici, toi. Oula. Il m'envoie un bâton de joie, Ali. Voilà, la boule. Hop là. Ah, c'est pareil, il y a qu'une touche. Coucou. Hop là. Bah c'est pour ça que j'aime bien CoinOps, je me dis c'est pour les jeux modèle 3 et modèle 2. Modèle 2 je crois qu'il tourne toujours pas sur Bateau Sera. Et modèle 3 c'est un peu plus compliqué à configurer. J'arrive. Oui oui. Mais je suis pas encore. Non je peux. Je viens t'aider April. Déjà ? Ah non, je suis déjà mort. Ça va vite. Moi j'ai essayé le jeu avec l'ambulance. J'ai passé le premier niveau. L'arrivée Davidson ça va, mais... c'était le skid racer, il était pas évident. Je crois que j'ai le jeu de moto, on ira voir après. Sur un modèle 3, il me semble que j'ai le jeu de moto. Allez, c'est pas. Ah non mais attends, et... voilà, il tire en l'air, il est plus long. Mais. Kawabunga. Oh putain, Shredder. Non, pas April. Youssef. Hey, la plaque d'égout, toi, où tu vas? Adieu les parcs-maîtres. Attends, toi, je vais te débouchonner. Ah, mais... je peux pas la décapsuler, là? Ah, si, voilà. Coucou, Paolo. Ah, t'as la télé, elle dit, elle peut m'y, quoi. Allez, c'est quoi l'affiche derrière Sarah? C'est pas une fille nue là? Alors lui il est en orange mais il a un boomerang mauve. Enfin je regarde. Je t'avoue que le coin-ops déjà j'ai sorti de la poussière là. Je suis en train de récupérer les packs de jeux, mais il n'y a plus grand monde qui les partage hein, sur Torrent. Je crois ouais, que j'ai le jeu de moto futuriste sur le modèle 3. On ira voir, de toute façon j'arrêterai vers 6h30 parce que... le temps que je prépare le repas et ce soir Splatoon sur la Switch. Eh hey, la pizza est là-haut, comment je l'attrape? Ah ben voilà. Pizza!
Ouais, mais je t'avoue que Cyberpunk. Ouh, petite vie ici. Ouais, tu vois, la version NES, je ne la connaissais pas en arcade. Je connais Turtle in Time. Oh, oh. Le clan foot. Moi, je crois que c'est du poulet, mais il faut voir la date quand même. Ah non, il s'était caché derrière l'affiche. Faut que je regarde quelqu'un qui était bon quand même. Sinon, ce sera celle de tomate. Ah, encore un qui se cache derrière le mur là. Arrête, il me tient. Oula, Pledia, peut-être qu'un jour elle fera sur Battle Sera, je pense. Ouais, je suis tombé dans le trou. Encore un cochon. Un cochon punk. Allez, ici. Ah, merci Jérôme. Voilà, merci Jérôme pour le raid sur Kick. Tu as raison, ça marche le transfert de... du bot, mais ça stream pas le chat sur Kick. Attendez, bougez pas, je vais remercier mon ami. Aïe. Sans mes émotes. Tant toute petite. Ouais. Tiens, on va aller voir le jeu qui est sur le modèle 3. Ouais, je vais vous montrer aussi pour ceux qui sont sur... Sur YouTube. Voilà, je suis là aussi pour ceux qui sont sur YouTube en même temps. Voilà, je suis là aussi pour ceux qui sont sur YouTube en même temps. Voilà, je suis là aussi pour ceux qui sont sur YouTube en même temps. Voilà. Ah, merci Jérôme. Oui, modèle 3, j'ai dit que j'allais vous montrer. Normalement, il y a le jeu de moto futuriste. Alors, c'est quoi déjà? Non, le Star Wars, il marche pas. Ah non, attends, je l'ai plus. Ah non, je croyais que j'avais la moto futuriste. Star Wars, il marche pas. On va aller voir le Future Fighter 3, tiens. Bonne soirée, Jérôme. Ah ouais, j'ai débranché Twitch et là, on est sur Twitch et Kick. Allez, Twitch, je vais te faire payer 25€ si tu stream plus chez eux. Non, mais oh. Ah bah, nous ici, on a du beau temps, écoute. Qui on va prendre? Allez, on prend Sarah. Coucou Frix Magix. Bah, surtout que bah, Youssef, tu étais toi hier sur Kick, tu étais chez Jérôme. Il y avait Youssef et Kirk Spock. Bah, il est pas mal le Future Fighter de celui-là. Ouais, désolé, il y a 2 minutes pour pouvoir parler. Pour éviter les trolls, comme j'ai eu beaucoup de trolls sur YouTube à l'époque. Moi j'ai mis que 2 minutes. Voilà, par contre, les coups, c'est pas ce qui est le plus pratique. Elle m'a tendu le bras. Lars. Il est peut-être sur le modèle 2, le jeu de course. Allez hop, du balai. Non, c'est 2 minutes, moi j'ai mis. Le truc qui bug. Coucou Shinobi. Moi j'ai mis chat pour follower 2 minutes. Ah, c'est pas au point encore, malheureusement, Kick. Ça la team.
Enfin, je suis désolé, vous n'avez pas la retransmission. Coucou Kirk du chat de YouTube, ça viendra. Par contre, je me demande si Coinops s'adoucit pas un peu les contours pour le modèle 3. Ben non, Alf, si je veux streamer sur 3 plateformes, il faut payer 10 euros par mois sur Restream. Donc je me contente de 2. Mais bon, honnêtement, écoute, il y a un peu les deux tendus sur... Ah ouais, je suis désolé, Shinobi, c'est vrai que... Coucou, Jojo. Jopo. Ah mais j'ai eu tellement de trolls qui sont passés à certains moments sur Twitch ou YouTube que maintenant je suis limité. Bon il est pas moche ce Verdure Fighter. Hein. Coucou Frédéric. Attends j'avais vu que j'avais un Dead or Alive aussi. C'est quoi ce bruit de cloche derrière? C'est dans le jeu. Ouais, merci à tous ceux qui sont venus raider en tout cas. Je vais aller voir sur le modèle 2. Merci Jérôme. Virtua Fighter 3 sur le modèle 3. Regarde. Oh, attendez, hein, c'est l'envers du décor là. Le Star Wars il se lance pas. Ouais, le jeu de foot, c'est pas mon truc, hein. Désolé pour les Marseillais. Tiens, on peut aller voir le Daytona s'il tourne. Ouais, bouton A. Et je sais que j'avais un jeu de course de moto, mais il est peut-être sur le modèle 2, on ira voir. Mais si là, je l'ai pas, Fabien. Ah, attendez quelques minutes. Ouais, si on marche encore avec le volant, il faudrait un volant. Automatique. Boum boum. Pour un modèle 3, les milliers pas sur Raspberry Pi, hein. Ça marchera pas. Attends, on peut changer la vue, je pense. Ouais. Ici, voilà, ici. Aïe, ah, le mur. Enfin, je vais peut-être rester... Oh là, c'est quoi, cette nuit? Ah, c'est comme lui, comme ça. Ah, le mur. Il y a le rad mobile, ça, aussi, je l'ai pas mis, mais il y a le petit Sonic qui pendouille. Pour être au viseur. Allez, plus vite. On va y doubler dans la corde. Et regardez, moi, tiens, derrière, elle est défoncée. Oh là. Le capot, il va s'arracher. Alors, c'est où que je zoome? C'est pas là. Ah, c'est là, ouais. Ah, mais elle a vu avec le capot qui bouge. Faudrait que j'essaye avec le volant. Mais je t'avoue que j'ai un volant, le temps de brancher et tout, c'est un peu chiant. Bon, et pour l'instant, je suis combien? 37ème. Mmh. Oula, là, je me suis pris l'herbe. 38ème, c'est de pire en pire. Ah, y'en a qui a pris feu. Eh mais allez mourir ailleurs quoi. Et va-t'en toi. On dirait Jour de Tonnerre avec J'ai oublié son nom. Ah non c'est pas Cigarelli là, c'est Daytona USA. Cigarelli j'ai mis tout à l'heure. Plus de 7 secondes. Pendant le décor. Oh putain. Oui avec Tom Cruise c'est ça Judy. Coucou Judy.
Mais j'ai pas la de jeu console elf. Malheureusement, je vais vous montrer. Tu vois, les jeux console, pour l'instant, il n'y en a pas parce qu'il faut que je retrouve les packs de Quenops. Donc ça peut les faire tourner, mais je les ai pas. Voilà. J'ai retrouvé pour l'instant que les packs arcade. C'est peut-être sur le modèle 2 qu'il y a le jeu de moto. C'est celui-là, c'est un que j'ai mis tout à l'heure de jeu Sonic. Ah non, j'ai pas mis trop d'argent moi en salle d'arcade à l'époque, ça coûtait trop cher. Bon, en fait, Jacob, on connaît. Ah bah, il y a le Wave Runner, on peut aller voir aussi. Là, c'est moins joli, c'est, enfin, moins joli, c'est le modèle 2. Ah, c'est là le jeu de moto. C'est Motorhead. Bah ouais, il faut que je trouve les packs, Alf, mais il y a déjà 200 gigas, quoi. L'arcade, modèle 3. Ou alors, il fallait piquer dans le porte-monnaie, mais bon. Alors, attends, je vais monter un peu le son. Ouais, on va prendre lui. Championship, soyons fous. J'ai déjà du mal à mettre 5 francs dans les machines. Moi. On va voir ce qu'il donne, écoute. Non, c'était là, j'avais fait Skate Race, mais le. Sur modèle 3. Le contrôle était trop sensible. Ah oui, là, c'est pour donner les coups, non? Ça. Et où le bouton turbo? Ah, ça y est, j'ai trouvé le bouton turbo vivant. C'est un peu un Red Rage. En moderne. Tiens, prends un coup de sa tête. Coucou Fanny. Le turbo est là-haut, mais il n'est pas encore chargé. Ça, c'est le frein. Là, je m'approche d'eux, tu vois, j'allais laté. Hop là! Un coup de pied. Il fait penser à Venice War au AV mélangé avec Akira. Ah bah bon. Parce qu'il est derrière ma tête. Ouais, un peu de Road Rage. Mais la moto, on dirait Akira. On voit où ils ont pris l'inspiration. Il n'y a plus beaucoup, ça veut dire qu'à Damien, il n'y en a plus, hein, Jojo. Un Jopo, je veux dire. Excuse-moi. Je croyais que c'était un deuxième vie. À Avignon, les salles d'arcade, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Oula, j'ai shooté. Ah, en plus, il tourne bien, là. Ah, c'est le turbo. Cassez-vous. Objectif mon turbo. Pourquoi il me dit warning, warning? Ah, j'ai perdu mon arme, je crois. Ah oui, d'accord, il fallait sauter. Ah, c'est le timer, vite! J'ai plus d'armes. Non, mais j'arrive à côté de la ligne. Puis c'était frustrant, les jeux d'arcade. Parce que voilà, tu finissais comme ça, quoi. À ce soir, Alf. C'est ça qui était frustrant, c'est que tu jouais et puis hop. Sega. En plus, il faut mettre 2 crédits, donc il faut mettre 2 fois l'argent. Ah, il était sur le modèle 2, celui-là. Je crois qu'il était sur le modèle 3. Et à la fin, tu pouvais mettre tes initiales, mais j'ai jamais compris l'intérêt, honnêtement. Parce que si je mets mes initiales, qui va penser que c'est mes initiales à moi, quoi? C'est la Frix Magique. Enfin, le jeu est pas mal, hein. Au pire, tu vois, je préfère faire un flipper, je me trouvais mieux en flipper.
On va voir celui-là, écoute, s'il tourne. Ah, ça c'est le shoot'em up. Ah, c'était le problème des jeux d'arcade. Ah, j'ai pas regardé, Roger. D'ailleurs, on a le Mario, mais je sais pas s'il tourne le Mario Kart. C'est pareil, il faut que je retrouve le... Oula. Alors, attends. La deuxième souris, elle est où? Elle est là. On a quoi? Rétrophée. Ah, problème de raccourci. Ouais, lui, il bug. Ok. C'est point grave. Et ben alors? Un petit bug. Mais nous, il pleut pas encore. Allez, c'est Coin Op, ça. 2. Coin Op, next 2. Alors attends, c'est pas là qu'il faut aller, c'est là. Ah, c'est là, voilà. Virtualon aussi était pas mal. Bon, y'a quoi qu'on pourrait aller voir? Alors là, c'était un jeu de tir. On va pousser un coup de Last Bronx. Mais c'est sur mon vieux PC ça. Ah non, je crois que c'est les modèles 2 qui bug et tout. Bon, on va se finir sur le modèle 3. On va aller voir le Viking Weeper. Ou alors c'est parce que j'ai appuyé sur la touche start. Ah ça c'est l'émulation Fabienos. Hein. On paye pas mais c'est pas forcément tout à 100%. En plus c'est une mise à jour, j'ai vu de Windows 11 là. Ah on va prendre la petite avec son sac à dos là. Voilà, contre le cycliste. Regardez, c'est Sarah avec le hooper sur son dos. Voilà pour rendre. Ah, c'est quoi? Hop là, mais dis donc là. On l'a envoyé de côté. Bah, en fait, il tourne bien sur mon PC, mais là j'ai mis sur un PC plus petit. Qui est que un teraoctet de disque dur, il prend 200 gigas mon Coinops. Allez. Et la couleur. Voilà, hop là, ping. C'est comme ça qu'a fait ma petite Blaise. Quand tu l'énerves trop, hop là. Ah, il est tombé. Dans le décor. Oh là! Amy contre Amy. Moi j'aime bien, ça a son style. Écoute. J'ai mis un perfect. Mais après je préfère un Street Fighter quand même. Ouais, c'est ça, je pose mais bon, les initiales. Je crois que mon frère a laissé ses high-score sur certains jeux. Et je t'avoue que j'ai jamais fait d'high-score en salle d'arcade, moi. Déjà que j'ai l'air rarement. Voilà. Oula. Il m'a fait une roulette. Eh, hey, mais dis donc. Tu vas être calmée, petite. On l'a envoyé voir Libir. Après j'ai les cartes Sega avec le Fighting Vapor, hein, je crois. Round one.
T'as nous on a un beau soleil là. Genre. J'aimerais bien qu'il pleuve un peu mais pas trop. Hein. Ah bien si. Ah mais je me trompe de perso moi. Je croyais que j'avais la jolie fille, mais j'ai la petite avec le. L'ours. Elle est pas trop dure. Hein. Le Radialon était beaucoup plus dur. Modèle 2, il faudrait que je voie pourquoi ça. Ça va, j'irai voir quand j'aurai fini, genre. Enfin, je regarde comment on fait les raids, ouais, sur. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de temps, vous voyez. Ça va être comme sur Twitch. Bah, on peut faire tous les persos, ouais. On va aller voir le Virtualon. Ça, c'est un jeu de tir. Non, ça j'ai un jeu de tir. Ça on l'a fait au début du live, lui on l'a fait au début du live. Ah mais attends, j'ai le champion, j'ai le Sega Rally numéro 2, Fabianos. Je l'ai fait au début du live, Fony, le Sked Race. Mais la commande est trop sensible. Ah, Bloody Roar. Puis ouais, on arrêterait à la demi. Chain Pin Chips. Ah, il y a plus de voitures. Ah, je vais pas rouler en escorte, moi. Oh, tiens, on va prendre la... Ah non, la Stratos. Bonne soirée, Shinobi. Mais là, on finira sur ce jeu, je vais faire une course. Ah, mais je vais mon pseudo, alors. Hé. Avec un PC, tu y arrives, je dis, sur Raspberry Pi, c'est compliqué. Hein. Ah, il est plus joli celui-là. Voilà, là, c'est la vie. On dirait que j'ai un moteur électrique. Ils m'ont mis un moteur de Tesla. Voilà. Attention, il m'a dit qu'il y a un trou là. Ah! Ouais, c'est le problème, c'est que pour certains jeux, le. Là, je joue avec un stick Xbox. C'est trop tatillon la direction. Ouais, je veux bien, mais laisse-moi faire le double. Sur celui-là, t'as les marques debout. Oh, y a des gens, barrez-vous de la piste. Sinon, ils vont finir en 20h. J'ai une version PC, moi, une compile de jeux Sega. Où il y est dessus. Allez hop, j'ai doublé Facilos. Ah, ça va être mieux sur le goudron. Ça, c'est le tour d'essai, je crois. Non, un jeu de course que j'ai beaucoup fait, c'était le Ridge Racer à l'époque sur la PS1. Ah, je crois que c'est l'après Calif. Cette voiture, je l'avais en miniature. Regarde. On dirait des vrais gens comme sur les vrais circuits pour faire. Les vrais trucs de rallye. Toujours là où il faut pas. C'est bon. J'ai fait mon virage. Oh là. J'ai mangé la barrière. Ah mais attends, je suis 13ème. Ah, j'avais doublé un pote avec la même voiture que moi. Ouais, c'est la sensibilité. Enfin, je trouve qu'on voit la règle, parce que sur le stick, des fois, c'est un peu trop sensible. Voilà, des fois, à peine tu tournes et zoom. Ah,
Là, tu vois, hop, le timer, il te laisse pas y aller. Voilà, ça c'est, tu mets les sous dans la machine d'arcade et quick, c'est fini. Bah, ski boss. Ça c'est le jeu de combat, ouais. Dans Star Wars, il t'en veut pas. Lui, il est bien, mais il est trop sensible. On va essayer un jeu modèle 2 quand même, c'est bizarre que ça bug. C'est le jeu de tir. Ah, Vetting Mate, peur. Ah, Dead or Alive, tiens, vous m'en parliez. Espérons qu'il marche. J'adore leur avertissement sur les violations de Halo, ouais. Ah, je vais baisser le son. Attendez, j'ai deux souris, c'est laquelle la bonne souris? Ouais. Ah bah on prend Kazumi. Ah non, on prend Kazumi. Voilà, on finira sur ce jeu, les amis. Ouais, j'en ai un bien sur Xbox, ça va vous faire, mais marqué de pas toucher au jeu. C'est ça, Jérôme, t'as tout compris. En 2003, sur ma première boutique, je vendais des figurines de Dead or Alive. On allait sur les bourses multi-collections. Mais t'avais tous les collectionneurs de voitures, ils achetaient les figurines, ils disaient c'est pas de prendre ma voiture. Mais c'était pas la même échelle. C'était uniquement parce que t'avais les filles en maillot, quoi. Ah, c'était l'époque, je dis. Des boobs en 2D en plus. Allez, ici. Oula, on a fait une balayette. Mais en général, ces jeux ils commencent pas dur et après. Ah, Ridge Racer était top, hein, ça. Déjà la BO de Ridge Racer, puis bon, à l'époque, le jeu. Moi, je l'avais eu en CD gravé. J'avais une PlayStation qui tournait à l'envers. Et ici que ça trappe petite. Oh, dis donc! Ah, par contre, le truc de dé à la fin, c'est... Ah, petit bug graphique, là. Voilà. Il m'a brûlé le cucu. Putain, HLJ, j'avais un numéro de client, je crois qu'il y avait trois chiffres, Jérôme. J'achetais les maquettes d'Albator et je les revendais en France. C'était la bonne époque, ça, au Bing Japan. Ah non, mais... je suis mort. Et après, je commandais chez Mandaraki avant qu'il soit trop gourmand pour avoir des cellulos. Voilà, on continue. Enfin, on continue. À prendre le vieux. Ah, il y avait des S2-4 là-haut. Je suis le vieux maître. Bah, dis donc. Ah, il est pas rapide le vieux. Ah, il est. Oh, bah. Ah, bah, c'est les vieux, hein. C'est les vieux, ils vont pas vite. Demain, je vais voir la kiné, Jérôme. J'ai une chance au grattage. Il y a 3 kinés garçons et 2 kinés femmes. J'espère que j'aurai la femme. J'espère que j'aurai la femme. Ouais, Olivier Gilbert, le cartooniste. Bon, ça c'est jeu de tir. Ah oui, on va finir sur le Wave Runner, je dis qu'on allait le voir.
Ah non, mais les vaisseaux d'Albator, là, j'achetais les coffrets qui s'ouvrent. Je vendais bien. T'avais pas grand monde qui connaissait ça à l'époque. Fallait trouver, faire venir du Japon. Aujourd'hui, tu peux faire venir un paquet de chiffres du Japon, quoi. C'est hyper courant, mais à l'époque. Enfin, 3 crédits. Parce qu'on me demande souvent le jeu qui est sur la N64 de ça. Ouais, Kirk. Et il y a marqué Sonic sur son t-shirt d'ailleurs. Ah oui, regardez sa tête de Sonic sur son dossard. Sonic Wave. Bon, par contre, il n'y a pas d'autre touche. Sega Sport. Bon, il y a un peu de clipping. Hein. C'est peut-être l'émulation qui fait ça. Ou peut-être le jeu à l'époque. Oula! On a un truc comme ça de jet ski sur le. Toujours sur YouTube, ouais. Avant, je streamais sur YouTube et Twitch, Kirk. Mais je t'avoue que le dernier truc de Twitch, histoire de faire payer 25 euros si on arrête de streamer chez eux. Et avec Crossstream, t'es limité à deux flux gratuitement. Sinon, je peux streamer sur Twitch, mais il faut payer 10 euros par mois encore. Donc là, j'essaye de voir un petit peu ce que ça donne sur Kik en même temps, on sait jamais. Mais après, moi, je suis toujours sur YouTube en principal. Sur YouTube, il y a les. Ici? Ah, mais tu es québécois, je crois. Sur YouTube, t'as toujours les tests et tout, quoi. Oula. Mais ça fait un petit moment que je voulais tester, j'ai vu que Jérôme était sur Kik. Jérôme Jéricho, hein, pas Jérôme, pour ceux qui connaissent du Mans. Bah après, ouais, attends, je vais pas payer 10 balles par mois au stream pour que ça envoie sur Twitch en même temps. Oula, vite, 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 vite. Ah, c'était juste, hein. On verra bien ce que ça donne. Voilà, mais je peux pas faire un super dérapage. Ah, j'aurai pas le temps là. Et ouais, j'ai vu ça avec l'opération là. Mais après, ouais, sur YouTube, il y a toujours les tests et tout. Après, je t'avoue que Twitch en 2 ans, il a pas eu fou là. Jérôme. Enfin, ouais, les amis. Bah, l'essai concluant pour le double stream. Faut que je retrouve les jeux console sur mon Coinops. Je sais même pas si j'ai le Laserdisc. Après, vous le savez, je préfère Bethesda pour l'émulation. Mais là, l'avantage, c'est que je peux le lancer sur un PC un peu plus puissant. Mais là, tu vois, les jeux, il n'y en a pas. Faut que je télécharge. Ouais, ce soir, c'est Splatoon. Je mettrai la manette en charge. Splatoon 2. Ah ouais, cartooniste. Ouais, là, t'as juste les vidéos. Mais alors, ma manette. Mais j'ai pas les ROM. Ah si, j'ai des ROM Dreamcast. Mais bon, après, pour les consoles, je préfère jouer sur Bethesda. Ah voilà, j'ai pas les ROM là. Voilà, PS3, j'ai même pas. Ben ouais, les amis, je vais vous laisser. Merci encore, Jericho, pour le raid sur Kick. Ce soir 20h, on fera le Splatoon 2 avec les abonnés habituels. Bonne soirée, Jopo.
Et pour ceux qui sont sur YouTube, allez voir la vidéo sur le jeu Game Boy qui est sorti sur Mega Drive. Tiens, attendez, je vais vous le partager pour ceux qui sont sur sur Kick. Laissez-moi juste ouvrir ma page YouTube. Voilà, je copie. Et je vais sur l'EuroStreamBot. Voilà, c'est la vidéo que j'ai faite aujourd'hui sur un jeu. Alors, ils sont pas en vrai sur Game Boy, ils sont en ROM. Mais McDonald's a fait un jeu pour la Game Boy, Game Boy Color. Coucou Ludovic, t'arrives à la fin? Bah ouais, Kirk, c'est pour ça que je vois de moins en moins de monde. C'est qu'il y a plein de gens qui sont partis de YouTube, malheureusement. J'arrive à la fin, Ludovic. Et après, là, je les ai enlevés, mais normalement, t'as aussi des. Voilà, l'effet de glace rayée et puis les scanlines, mais j'ai pas mis, moi, sur Coinops. Non, ben moi, écoute, je vais faire cuire du blanc de poulet, là. Et puis remplir ma bouteille d'eau. Bon, je crois pas, Ludovic. Hein. Enfin, je regarde, mais je joue pas trop à la PS, honnêtement. Là, j'ai que les jeux d'arcade sur ce Coinops. Allez, je vous laisse, je vais remplir la bouteille. Ce soir, pour ceux qui viennent sur Splatoon. Et puis, allez voir la vidéo, je vous ai mis le lien que j'ai fait aujourd'hui sur YouTube. Bonne soirée, Kirk. Bonne soirée, Jopo. Bonne soirée, Youssef. Non, même pas, là, c'est de l'eau et un peu de sirop sans sucre. Histoire de donner du goût. Mais je suis content parce que ça y est, ça restream le chat. Ciao tout le monde, à plus tard. Bonne soirée Nico, je t'avais pas vu.